Oh, on est bien là. Ça va être dur. Je vais tout rater, hein, c'est sûr. Eh bien, avec une purée d'oseille, comme faisait ma grand-mère. J'en ai un super souvenir. Incontournable, les pommes de terre sarladaises. Avec un ragoût de petits pois nouveaux. Avec un écrasé de pommes de terre. Un deuxième confit. Un puchiron. C'est un peu comme un pot-au-feu, avec des carottes, des oignons, du chou, du confit d'oie ou de canard, et servi sur une soupe de riz. Ça vient de mes origines espagnoles. Des amis? Alors moi, j'aime bien avec de confit de figues et de pain grillé. La noix de Saint-Jacques, sur un lit de poireaux, arrosé d'une sauce périgueux. Un bon verre de vin rouge. Un tour de moulin à poivre. Une bonne bouteille de vin liquoreux, et d'autant plus du Mont Basiac. Un magret pour faire un magret rossini. Du pain grillé. Alors ça va être très original, des huîtres. L'iode de l'huître avec le foie gras, c'est extraordinaire. Je dirais le magret fourré au foie gras avec une bonne sauce au cèpe. Et bien le confit avec des haricots à la graisse de canard. Alors je dirais le coup de canard farci au foie gras du Périgord et une sauce périgueux aux truffes. Des petits gratins de canard avec un foie gras de canard entier pour un petit apéritif. Alors les gésiers de canard et le foie gras de canard de façon à composer une salade périgordine. Alors un confit de canard et des cèpes. La soupe périgordine dans laquelle on va y mettre dedans des morceaux de foie gras entiers mi-cuits. Je vais me faire passer pour une animée. Adjani là, elle est ici en fait là. Oh là 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 là.